My name is Thomas Howard. I've come to the United States in the American Peace Corps to do agriculture work here in India. Je m'appelle Thomas Howard. Je suis américain et fais partie du Peace Corps. Je suis venu en Inde comme spécialiste des questions agricoles. Je parle aux paysans. Je leur dis, écoutez, au lieu de planter comme vous avez toujours fait, pourquoi n'essayez-vous pas cette fois-ci quelque chose de nouveau? Instead of growing an old style of millet, why don't you try CSH1? Ils sont plusieurs centaines comme lui, jeunes Américains volontaires du corps de la paix, installés pour 2 ans dans des villages indiens. Les communistes les accusent d'être des espions de la CIA. C'est de bonne guerre, ce n'est pas forcément vrai. Thomas Howard vit seul dans un village de 800 habitants, dans une région montagneuse de l'état de Madras. Vous comprenez, le problème, c'est de les convaincre d'adopter plusieurs techniques nouvelles en même temps. Par exemple, s'ils utilisent une nouvelle variété de céréales, ils doivent mettre beaucoup d'engrais et ils doivent aussi utiliser des insecticides. Je dois faire très attention, parce que si je convainc quelqu'un d'investir de l'argent dans une expérience nouvelle et que ça ne pousse pas comme il faut, c'est très très mauvais pour moi. La présence de Tom Howard et de ses amis est symbolique. Ils sont à peine 700, et il y a 560 000 villages en Inde. L'Inde des villages, tout le monde vous le répète, c'est le pays réel, là où vit 80% de la population, là où les choses n'ont pas changé depuis des siècles. On traverse ces villages, on les ignore, et ils sont aussi l'occasion d'innombrables formules toutes faites. La léthargie, le fatalisme, le refus d'innover du paysan indien sont les clichés habituels du visiteur étranger. Au tout début de notre voyage, nous avons séjourné dans un village de l'Haryana, à une centaine de kilomètres de Delhi. Il faisait très froid ce mois de janvier. Que ce soit le climat, le décor, les costumes ou les méthodes d'irrigation, rien ne me dépaysait vraiment. Les femmes se voilaient à notre approche, comme si nous étions en pays arabe. L'influence de l'islam est si forte dans cette région du nord-ouest de l'Inde qu'on pouvait se croire en Afrique du Nord ou en Syrie. Il n'y avait pas de ferme ou de bâtiment isolé. Tous les paysans habitaient ce gros village, un des plus prospères de la région, malgré les apparences. Un village comme tous les villages. La vie paysanne, avec ses gestes toujours semblables et ses temps morts, n'offre pas beaucoup de prise à l'imagination. Nous essayons de filmer par petites touches, sans trop déranger l'ordre des choses.
Mais chaque villageois est conscient de notre présence et ce naturel apparent est un peu faux. Tous les matins, pendant une heure ou deux, les femmes font les chapatis, ces galettes de froment, de maïs ou de millet qui sont la base de la nourriture dans le nord de l'Inde. On les mange avec des légumes très épicés, une purée de lentilles appelée dal, du lait, du yaourt et parfois du beurre et de la mélasse. Les habitants de ce village sont végétariens. La tentation pour nous, c'était de faire de la mise en scène. Une mise en scène au premier degré, qui consistait par exemple à obtenir de cette fileuse qu'elle ne regarde pas la caméra, qu'elle se conduise comme si nous n'étions pas là. Mais la femme se prend au jeu. Elle surveille son gosse, elle se surveille elle-même. Cela devient comme une représentation où elle jouerait son propre rôle de fileuse. Très vite, nous avons renoncé à toute envie d'organiser ou de composer la réalité. Cet homme et cette jeune fille qui coupent des feuilles de moutarde pour en faire du fourrage, je ne les dirige pas. Entre la précision attentive de leurs gestes et la conscience qu'ils ont d'être filmés, ils font eux-mêmes la part des choses. À la fin de la journée, les villageois nous donnent une représentation, une vraie cette fois-ci. Pour nous faire plaisir, ils ressortent de vieux instruments qui n'ont pas servi depuis des années et qu'il faut accorder. Cette reconstitution les amuse beaucoup. Ouais.
Après cet épisode folklorique charmant, nous quittons le village à la tombée de la nuit, suivi comme tout au long de la journée par une ribambelle de gosses et de badauds. Les jours suivants, les villageois vont peu